My Pop Goes. Putain, enfin. Enfin, les mecs. Enfin. Dites-vous, du coup, la vidéo sort la veille que je tourne. J'ai attendu tellement longtemps. J'ai attendu toute l'après-midi que le jeu sorte. Au final, il est sorti à 21h. À cause de ces putains de fuseaux horaires à la con. J'ai trop le seum. Yo, les gars, c'est Nabuts. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour la découverte de My Pop Goes. Et pour aussi, du coup, démarrer l'événement du 10e anniversaire de la franchise culte. Des jeux vidéo indépendants et même des jeux vidéo tout court, je pense, Five Nights at Freddy's. Voilà, pour démarrer l'anniversaire, l'événement, on a le jeu My Pop Goes qui vient tout juste de sortir. Et en plus, surtout si vous voulez le procurer, décidez-vous et faites ça rapidement parce qu'il est en promo jusqu'au 8 août, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'événement. Vous avez 1 € de réduction là, je crois. Écoutez, les gars, en tout cas, on va découvrir le jeu de notre côté, c'est parti. Bon, j'ai Google Trad à côté hein, pour. Au cas où, s'il faut que je traduise. Ok. Avril 2023. Qu'est-ce qui s'est passé en avril 2023? Bah, la version du jeu de base, non? Alors, du coup, on ne sait pas qui c'est qui parle. Pourriez-vous aller dans le grenier et trouver une toolbox, donc une boîte à outils? Elle devrait être quelque part dans ce coffre contre le mur du fond. Ok, donc c'est ça, c'est le coffre en fait là, qu'il faut que j'ouvre. Bizarre comme style de jeu un peu. Oh bah tiens. Bonnie, une expérience que j'ai faite avec l'imprimante 3D de mon père. Je suis surpris qu'il soit encore en état. Alors c'est quoi ça? Ah, c'est le fameux carton. Merde, j'ai pas vu du coup appuyer sur les autres trucs. 15 ans en avant. Ah oh, oui, d'accord. 15 ans en avant. Oh, un cadeau de Bonnie? Ou alors pour Bonnie peut-être plutôt. Oh putain! Oh c'est fort! Ah c'est fort! Parce qu'en plus de ça, ils ont mis le lore du jeu pour faire genre, je pense que c'est une petite fille ou un petit garçon, tu sais. Oh, plutôt une petite fille vu la couleur des dessins. Tu sais, qui fête ses 10 ans et en plus de ça, du coup, c'est adapté du coup pour l'événement, c'est trop bien. Alors, cher Bonnie, joyeux. Ah, mais attendez, Bonnie, mais oui, Bonnie, c'est un nom, c'est un prénom à la base, Bonnie. Ah oui, donc en fait, Bonnie, c'est le nom aussi de la petite fille qu'on incarne. C'est bien ça. C'est bon à savoir. Cher Bonnie, joyeux anniversaire. Tout d'abord, je suis vraiment désolé de ne pas avoir été avec toi aujourd'hui. Je travaille dur, mais je sais que tu détestes cette excuse. J'espère juste que tu me pardonneras une fois que tu auras ouvert ton cadeau. J'espère que vous passerez une bonne journée. Prends soin de maman et j'espère te voir la semaine prochaine, papa. Donc un petit cadeau de notre père. Qu'est-ce que ça peut être? C'est quoi ce truc? Oh bah tiens! C'est là-dessus qu'on va jouer après, je crois. Ok. Oula. Ok. Attends, quoi? Il y a une campagne? C'est un call-off le truc? Customise. Il y a des stickers, d'accord. D'accord, c'est stylé. Changer Pop Ghost, du coup, le personnage. Donc on a la campagne et le jeu. Bah on va commencer la campagne. C'est comme ça. Quoi, faut que j'appuie là-dessus? Non? Je sais pas c'est quoi. Ah d'accord. Day one. C'est stylé. Bah vas-y, on va commencer avec la première nuit. Parti. Oula, oula, oula. Mais what the fuck, qu'est-ce qu'on fait? Oh putain, j'ai compris, vous voyez les barres au-dessus? C'est genre sa santé, enfin. Non, je viens seulement de comprendre le jeu, d'accord. Ça y est, je viens de comprendre. Vous voyez les barres au-dessus, par exemple là, il a faim. Ou alors là, il a soif, du coup, tu vois. Hop. Par contre, je comprends pourquoi la barre là au-dessus, elle monte encore? Mais wesh. Après, peut-être qu'il faut que j'appuie sur ces boutons-là aussi en dessous. Peut-être, hein? On sait pas. Je pense que c'est ça. Ah, mais en fait, faut utiliser les boutons. En fait, littéralement, faut utiliser les boutons. Et en fait, du coup, là, le nombre là qui s'affiche là. C'est la musique et puis le nombre de pizzas qui sont prêtes. Vous voyez? C'est easy comme jeu. Et là, du coup, hop, je mange en fait. Après, il y a la musique qui se met automatiquement. C'est facile! Regardez, on a le timer juste au-dessus de Freddy, je pense. C'est facile en vrai. Du coup, ça va se.
compliqué au fil des nuits. C'est cool en vrai. Oh non, j'en ai trop mangé là, c'est pas cool ça. J'aime bien ce mini-jeu. En vrai, je tryhard là. Je vous avoue, je tryhard. Non. Voilà, hop, une de plus. On va boire un coup. Il a faim le pauvre gosse, hein. Il a faim le pauvre gosse, hein. Dinguerie. Oh, ça a failli tourner au massacre, hein. Ça devient presque un peu compliqué de gérer tout ça. Ça va, il est 4h30 de l'après-midi, PM. Donc ouais, c'est l'après-midi, PM. Parfait, hop, la bouffe. Fais quoi, quelques pizzas. Et mange, hop là. Parfait. Ouais, il faut boire, en plus il fait chaud en plus en ce moment. Let's go! 6h de l'après-midi, c'est parfait. Et ben parfait. Piece of cake. Petit succès incroyable. Et donc là, j'ai obtenu quelque chose dans Customize. Ok, j'ai eu un petit cœur. Oh, je peux placer ici. Oh, mais c'est trop bien. C'est un joli cadeau qu'il a fait papa là. C'est stylé. Et je peux... Oh oui, d'accord. En fait, le décor là, ça c'est le Freddy Fazbear's Pizza, on le voit bien. Mais après, sinon, je peux en rajouter d'autres. C'est cool. Puis là, du coup, là, c'est les stickers. C'est très stylé. Non canon. Ah, d'accord. Jerry, qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, c'est juste les mains. Ah d'accord, ok. Oh, putain, on a toutes les informations sur Pop Goes the Weasel. O Oliver, Pop Goes Evergreen. C'est stylé. Bon bah du coup c'est parti, hein. Journée 2. Alors du coup là on a beaucoup plus faim, beaucoup plus rapidement. En vrai, c'est chaud parce que du coup, voilà, faut jouer avec les touches directionnelles. Donc, c'est-à-dire, en fait, surtout, enfin, plus facilement, du coup, les flèches. Donc, haut, bas, gauche, droite. Et puis après aussi, sinon, il y a la souris, du coup, pour toucher, du coup, tout ça. Ou au pire, c'est vrai qu'il y a la souris, ouais. Alors, il faut savoir qu'il y a même 21 succès Steam. Sur le jeu, il y a 21 succès Steam là sur. Oh putain, le max c'est 6. Oh putain, vite. Ok, va boire. Et tu écoutes de la musique, c'est très bien. Ça fait du bien au moral d'écouter la musique. J'ai préparé quelques pizzas. Oh, faut que je fasse vite. Ok, let's go, bois. Ok, on a la moitié. On a la moitié. Ok, très bien, très bien, très bien. Je gère. Je gère, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est parfait même là. Ok, on est bien, on est bien, on est bien. On arrive vraiment bien à temporiser le truc. C'est vraiment cool. Donc du coup je disais par rapport au succès Steam, il y en a 21. Ce qui est franchement énorme pour le type de jeu que c'est. Enfin je trouve, hein, je trouve perso. Et en fait il y aurait des fins secrètes. Il y aurait des fins secrètes et tout. Et voilà, c'est quand même énorme. Quand même insane. Pour un jeu comme ça, je m'attendais pas, tu vois. Let's go, 6h. C'est trop bien. Moi j'aime bien ça, ce mini-jeu là. J'aime bien. You win. Ah bah heureusement. Génial. You're natural. Allez, bah c'est parti, hein. Nuit 3. Ok, on va préparer un max de pizza dès le début, dès le début de la game. De toute façon, c'est le but. Ok, boire, 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 boire. Ok, bois. Ok, ils sont à peu près tous au même stade. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Là, je gère là. J'aimerais trop une petite maquette là comme ça, moi. C'est stylé. J'aimerais trop, moi. Oh là là, y a plus rien. Par contre, faut que je me dépêche au niveau des pizzas parce que là, j'en ai plus. Merde. J'ai lâché le bouton. Ok, on a la moitié. C'est chaud. C'est chaud. On voit bien quand même que la difficulté augmente, hein, parce que... Non, merde. Voilà, bah, va boire. Parce que voilà, c'est quand même... C'est... Ça devient de plus en plus rude. Ça devient de plus en plus rapide et tout. C'est chaud à...
à jouer. Let's go. Ok, on gère, on gère. On gère, c'est chaud, mais on gère. Ok, j'ai plus de pizza, je suis dans la merde. Je vous le dis. Oh putain, faut que je boive là, à tout prix. Ok, c'est bientôt la fin. Oh là 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 là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oh, let's go. C'est vraiment chaud, hein. C'est vraiment compliqué là. Ça se complexe de fou et tout. You win, let's go. Petit succès. Parfait, c'est génial. I told you. C'est quoi tout ça? Là, la hache, d'accord. Petit chapeau de lui, là. Stylé. Tiens, vous savez quoi? On va voir c'est quoi sa game. Alors, terminer la pêche débloquera le skin Blake, le blaireau, pour le mode de jeu de campagne. Ok, d'accord. Guide, trouvez le bon poisson et attrapez-le avec votre ligne à pêche. Utilisez les boutons gauche et droite pour positionner votre crochet, puis le bouton du milieu pour le faire descendre. Ça marche. D'accord. Et comment je sais c'est quel poisson le bien? C'est quoi? C'est celui d'en bas en fait qu'il faut que je prenne? Ah merde! Wesh, mais c'est chaud! Comment je fais pour savoir ça moi? Comment je fais pour savoir la différence? Ah merde, il y a écrit au-dessus! Merde, il est là! Ok, celui-là. Bon, après, ce qui me dérange, c'est que... Ok, d'accord, il accélère un peu. Ça va être chaud? Ok, let's go, je l'ai eu. Oh, 1 sur 20. C'est chaud. On passe à la suite. Merde! Oh non! C'était trop tôt. C'était trop tôt, peut-être. On va être à celui-là, facile. Hein. Mais merde! Il est mort, carrément. C'est pas grave, on relance. Bah, c'est celui-là. Parfait. Mais... C'est le même! C'est le même! Putain. Eh, celui-là, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de chance de l'obtenir, lui. Hein. Attends, il est où? Oh, il est là. C'est pas vrai. Mais c'est tellement dur. Mais mec, avance un peu le poisson, s'il te plaît. Rapproche-toi. Mort à l'hameçon, s'il te plaît. Je vous jure, c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. Ça me fume. Bon, alors, je suis vraiment, vraiment très, très nul. Mais alors, franchement, faut être un cas. Oh non, vas-y. Oh, ça va être chiant. Là, il y a les deux gros là qui m'empêchent de l'obtenir. Allez. Let's go. Ok. Alors, celui-là, où est-ce qu'il est? Il est tout en bas. Oh, génial. Oh, mais ça va être trop dur. Oh, attendez, là. Peut-être bientôt. Yes. Bon, ça se décale quand même un peu pour nous aider, hein. Mais ça c'est quoi? Ça c'est une tortue, ça c'est pas un poisson ça. Putain, il fait chier. Ah mais faut vraiment être bien au-dessus parce que... Parfait, deux d'affilée comme ça sans bouger même. Il est là. Fait chier, non. C'est vraiment dur, c'est vraiment compliqué. Let's go. Faut vraiment bien être au-dessus, parce que franchement, sinon le jeu il te fait pas de pitié. Putain, c'est quoi ça? Pourquoi il y a un tank? Faut que je chope un tank. C'est littéralement ça. Oh, mais ce mélange aux autres poissons. Regardez, il est sur l'autre là, il est sur celui-là. Oh là là, let's go. Oh oui, bah, celui-là. Celui-là, il s'est laissé aller, là, littéralement. Ah oh, putain. Elle va à peine plus lentement que l'autre. Ok, celle-ci, cette fois-ci, c'est bon. Let's go. Putain, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Il aurait pu prendre l'autre juste devant. Là. Non, t'abuses. Non, il est mort. Y'a quoi d'autre? Topping jingle. Ok, attends, c'est quoi? C'est genre un dropper? Attends, non, je rêve ou c'est... c'est très 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 bizarre quand même comme jeu.
Mais what the fuck? Il faut que je grandisse en mangeant des pizzas. Bon, on va tester directement. Mais non, c'est un snake. Normal, les touches sont inversées. C'est très compliqué la maniabilité là. Il passe de l'autre côté? Oui, c'est. Ah non, pas du tout. Okay. Mais attends, mais dans le vrai Snake, il passe sur le côté là. Hey, c'est quoi cette arnaque là? La flèche du bas, c'est un boost. J'en reviens pas. Putain, mais c'est dur. C'est dur, les touches sont inversées, les mecs. Putain, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Putain, ah, 8 sur 40? Putain, faut que je fasse un score de 40, putain. Mais, pourquoi il tourne? Pest control. Non. C'est pas vrai. Ça, c'est incroyable, ça, par contre. Ça rappelle un peu FNF. Ça rappelle un peu FNF. Par contre, j'ai perdu énormément de vie parce que j'ai pas compris au début. Oh, c'est incroyable, attends. Mais en plus, faut bien faire gaffe. Oh, merde. Faut bien faire gaffe, tu sais. Oh, bah, putain. À la direction, parce qu'en fait tu peux faire celui de l'autre côté alors qu'en fait non, pas du tout. Faut bien faire dans la direction Pop Goes, regarde, putain, vite. Oh non, je suis mort. Oh, c'est chaud, mais en même temps au début j'ai pas compris, j'avais pas compris ce qu'il fallait faire. Y'a d'autres jeux? Putain, il y en a plein des jeux, putain, il vaut le coup ce jeu en vrai. Alors c'est quoi ça? Oh putain. Mon ref. C'est pas vrai. Merde, puis moi je me trompe de bouton. Bah oui, mais je me trompe de bouton. Non, mais arrête, le jeu en plus il est bien. Putain, moi qui me trompe de bouton, tu sais. Il est bien plus facile en vrai celui-là. Ah ouais, faut pas se rater. Oh putain, t'as que 3 marteaux. Oh vas-y, eh. Tourne. Tourne, Pop Goes, tourne. Le prochain va être là. Ah bah non. Hé, hey, c'est quoi ça? Une taupe. Oui, il va apparaître petit à petit, je pense. Mais il faut faire quoi? Faut pas toucher ceux avec le avec les étoiles dessus. C'est ça, faut pas les toucher ceux avec l'étoile dessus, ouais. J'aime bien la petite musique. C'est quoi ce truc? Ah mais en fait il sort là. Oh mais oui, faut que je le touche plusieurs fois. Ah, je crois. Non, relève-toi. Merde, non. Meurs pas. Non. Il était dur en vrai là sur le coup. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait en fait. Bah, hé, je dis c'est tout, mais il est déjà quand même bien rempli le jeu. Mais sur ce, ben, les amis, ben, on va s'arrêter là pour cette vidéo découverte de My Pop Goes, le tout premier jeu de l'événement de l'anniversaire de Five Nights at Freddy's, les 10 ans, les gars. On se retrouve dès demain pour la découverte, la démo du bureau de The Joy of Creation, le jeu. Ça va être insane demain. Dès demain, la vidéo va être insane, ça va être un truc de ouf. D'ailleurs, comme ça, là, je voulais m'excuser pour
Les vidéos là, les 2 dernières journées, parce qu'il n'y a pas eu de vidéo qui sont sorties, parce qu'en fait je m'attendais à ce que cette vidéo là sortait hier soir, sauf qu'au final sortir une vidéo à 22h-23h, franchement c'est non non quoi, tu vois. Donc tant pis, c'est pas grave, elle sortira demain, elle sortira à l'heure où elle soit sortie, et puis voilà, tout simplement. Bon bah sur ce, bah les gars, n'oubliez pas de vous abonner, lâcher un like, ça m'aide énormément, vous êtes de plus en plus à rejoindre la chaîne et ça me fait vraiment super kiffer, et surtout restez branchés sur la chaîne et sur le serveur Discord, le lien est dans la description au cas où, pour les jours qui viennent, parce que franchement ça va être insane. Sur ce les gars, bah, c'était Nabet, prenez soin de vous. On se retrouve à très bientôt. Moi je vous dis ciao les gars.